Donc, mine de rien, hein? Voilà. On se comprend. Et la pluie qui s'abat sur les... Effectivement, le recul n'est pas dégueu, hein. Effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que le recul n'est pas dégueu. Alors, de là à dire que l'arme est exceptionnelle, quand même pas, calmons-nous. Mais on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Surtout. Tactique, anti-blindage, arme fortune, pistolet automatique. Je vois. Dit comme ça, ça a pas l'air trop mal, mais... Les Steam Pack. Et avec joie et volupté. Sa gueule. Saloperie. Putain, mais t'es sérieux? The fuck? Ouais.
cessez-le-feu. Les années civiles sur le périmètre. Vie à la confrérie. Qu'est-ce que je préfère dans ce boulot? Bordel de fion. Tenez-vous à carreau, ok? Ouais, d'accord. Je vous remercie pour votre aide. Mais pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici? Ça ne regarde que moi. Dans ce cas, si vous n'avez rien à ajouter, je vous suggère de quitter cet endroit immédiatement. Oh oui, un fusil laser. Un fusil laser, un tri de la confrérie. Ah oui, je vais prendre tout. Mais du coup, ça fait une arme bien. Ça, faut avouer, c'est plutôt cool. Dance. Avez-vous décidé de coopérer et de me dire ce qui vous amène ici? Équipe d'extermination des nuisibles, monsieur. Il paraît que vous avez un problème de goule sauvage. Vous trouvez ça drôle? Continuez à éluder mes questions, et je vous ferai évacuer sans ménagement. Vous venez d'une communauté des environs? Ouais, ouais, on peut avoir la même armure, ouais. Pourquoi toutes ces questions? Je vous ai aidé à repousser ces goules. Ça devrait vous suffire? Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde si vous répondez gentiment à mes questions. D'où venez-vous? Je n'ai pas vraiment de domicile fixe. Les civils qui viennent me voir sont souvent dans le même cas, que ce soit vrai ou non. Pardonnez-moi d'être aussi méfiant, mais notre mission ici est de plus en plus compliquée. Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, nous sommes assaillis de toutes parts. Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main, nous serions heureux de vous compter parmi nous. Astrala, vous ne tiendrez pas deux jours de plus. Je préfère pas m'en mêler. Dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, si vous n'avez aucune information utile à nous communiquer, je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Est-ce que ça finit la quête? Non. Paladin? Vous pouvez passer votre chemin. La situation. Je veux bien vous aider. Mais j'aime bien savoir... Très bien. Et là, c'est le scribe Ellie. Nous sommes en mission de reconnaissance. Mais j'ai un blessé, nous avons besoin de... J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs. Permission de parler, chef? Accordé, Hélène. J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat. Mais okay. Il faut trouver un moyen d'en... Notre cible est Arc Jet System. Notre mission, récupérer leur émetteur long. Nous allons pénétrer dans le bâtiment. Mettre la main sur les... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Uh-huh.
Je ne suis pas là pour faire vos corvées. Ce sera sans moi. Dans ce cas, je vous suggère de tourner les talons. Vous m'avez... Paladin Dance. Mais on peut quand même continuer le truc et accéder. C'est un bon plan. Si on s'en sort vivant. Rassurez-vous, je n'envoie jamais mes hommes au combat si je ne suis pas certain de les ramener en vie. Hélène, emmenez Rhys à l'intérieur et soignez-le. Tout de suite. Rhys, dès que vous serez remis sur pied, je veux que vous sécurisiez le périmètre. Compris. Quant à vous, vous allez nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Allez vous ravitailler au commissariat et revenez me voir quand vous voudrez commencer. Allez tout le monde, exécution. Allez mon grand, on y va. Ouais ouais, j'arrive. Niveau supérieur. Alors, tu vas me rafistoler, oui ou non? Je sais pas trop. Ton état n'est guère encourageant. Ce serait peut-être plus humain de t'emmener dans un coin et de t'achever. Merci pour ton grand cœur, Doc. Arrête de gigoter, que je puisse ajuster ces bandages. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme niveau? Ben, plutôt, qu'est-ce qu'on prend comme compétence? Je pense que c'est assez clair. Hein. Si on peut avoir des dégâts. Attendez. Hop. Pourquoi vous êtes aussi sympa avec moi? Je suis médecin. Disons que ça fait. Ça ne fait pas très longtemps que je fais partie de la confrérie. J'étais comme vous avant. Je n'avais personne. Alors, croyez-moi, je sais ce que ça fait quand tous les gens que vous croisez essaient de vous intimider. Écoutez, malgré les apparences, Dane c'est quelqu'un de bien. Mais c'est un soldat jusqu'au bout des ongles. Le protocole passe avant tout pour lui. Et Rhys? Disons qu'il a la tête aussi dure qu'un Mr. Gutsy. Mais vous savez quoi? Je leur confierai ma vie sans la moindre hésitation. Parce que ce sont des gens bien, et qu'ils se font rares de nos jours. Ouais, Mimi a pas beaucoup de charisme, malheureusement. Scream. Vous feriez bien de vous activer. Ce n'est pas une bonne idée de faire attendre le paladin Dance. Vous vous prenez pour un crack ou quoi? Vous devriez être attentif. Vous pourriez apprendre des choses. Écoutez, espèce de clown, j'accepte de conseils de personne sauf du patron. Vous faites partie des gens qu'on paie pour nous aider, c'est tout. Peut-être, mais au moins, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Oh, vous avez un peu de cran, finalement. Tant mieux. Vous en aurez besoin si vous restez avec nous. Et maintenant, allez plutôt voir si le patron a autre chose à vous faire faire. Ouais, c'est casse-toi. Le paladin Dance, c'est un excellent chef d'escouade. Je sais pas ce qu'on ferait sans lui. C'est juste une égratignure. Ça ira. Ah ouais? C'est pour ça que tu hurlais comme un goré quand je t'ai fait ton bandage? Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Putain mamie quoi. Mamie, ça déconne plus.
Elle te donne des idées salaces. Mamie aime beaucoup les petits jeunes. Quoi déjà? Oh là là. Qu'est-ce qu'on va virer pour gagner de la place? Allez, on va finir de faire des... comment dirais-je, d'améliorer notre fusée. Il est beau toutou. Il est beau toutou. Ok. Hop. Qu'est-ce que vous faites? Ah non? Le laser fusil. Ouais, du coup, je vais prendre le laser fusil plutôt que moustique.
qui est très lourd. C'est vraiment lourd comme arme, sérieusement. C'est super lourd. Et alors, Joséphine, comment on peut encore la modifier? Canon en ouverture, ouais, la crosse standard, le chargeur standard. Grand chargeur à éjection rapide. Voilà. Il faut juste que je mette dans les armes le laser fusée. Fusil laser, pardon. Hop, comme ceci. Et voilà. Et voilà, on est bien mon cousin. Allez, on va faire la quête de la confrérie de l'acier. Tu penses prendre le mode qui skip le crochetage? Ah, il y a un mode qui skip le crochetage? Oui, c'est vrai que le crochetage, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Faut avouer. C'est pas le mini-jeu le plus passionnant de l'affaire, j'avoue. J'avoue. Dance. Pouvons y aller? Dance. Soka dance. Je crois que oui. Quand on part au combat, il faut toujours être prêt à 100%. Prenez tout ce qu'il vous faut dans le commissariat et mettons-nous en route. Ça a quelque chose, ça? Ouais, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu comme truc.
Vous feriez bien de vous activer. Ce n'est pas une bonne idée de faire attendre le paladin Dance. Je fais ce que je veux. T'es pas ma mère, ok? Paladin? Vous pouvez y aller? Ah oui, non, il y a des... C'est clair, hein, il y a des... Oui. Formidable. Suivez-moi et ne traînez pas en route. Il y a des squelettes et géniaux, quoi. Et même des petits... pas seulement ça, hein. Mais des petites peluches, par exemple, qui sont géniales. Nous allons emprunter ces toilettes. Suivez-moi. Je t'écoute, hein, évidemment. Hein. T'inquiète pas. C'est à plus près. Nous ne savons pas grand-chose pour l'instant. Si ce n'est qu'ils sont brefs et que la fréquence qu'ils utilisent indique l'emploi d'une technologie sophistiquée. Nous craignons que la source de ces signaux représente une menace potentielle. Et il est de notre devoir de mener l'enquête. Oh bordel, il m'a fait peur, lui. Ah, le chapeau de pluie, ah oui, vas-y. 10 solvants industriels de l'antiseptique de l'acier. Ah oui, attendez, ici. C'est pas là où il y a une caravane qui se fait attaquer. Je crois que nous avons un problème. Rien à foutre. Arrêtez-vous. J'ai l'impression qu'on nous suit. Je l'ai trouvé. Une rostisse en enfer. Voilà, ça c'est fait. Pantalon. Je crois qu'il n'est pas sorti à temps. Une chapka, on sait jamais. Ah, mamie en chapka, à méditer. Mamie en chapka, à méditer.
Scotch et Terebantine, c'est cool. Ben c'est bien mec, c'est bien, c'est bien. Pas si j'en avais pas déjà un autre de chapeau élégant, mais bon. C'est pas grave. Oui, les Teddy Bear. Tu as tué les deux mecs, enfoirés. Ah oui, non, mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les méchants. C'est la machin, ils ont tué les... Ils ont tué les... Le marchand. Ils ont tué le range de Guy Marchand. C'est pas ma faute, hein. Comment ça se fait que je cours plus vite que toi? Qu'est-ce que je peux faire dans ce boulot? Compris pourquoi c'était trop lourd pour être transporté, mais bon. Bon, on arrive à notre destination. Bon bah allez, c'est parti. Paladin Dance. Écoutez-moi bien, pas d'étincelles, d'accord? Je veux de la prudence et de la discrétion. Oui, oui, t'inquiète pas. Jouer les héros. C'est bon, j'en ai vu d'autres. Tant mieux, mais j'essaie juste de vous donner quelques conseils tactiques. Vous feriez mieux d'écouter. N'oubliez pas, notre cible prioritaire est l'émetteur longue portée. Concentrez-vous et faites attention aux lignes de tir. Je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue entre les omoplates. En même temps, vu ton armure, je suis pas sûr que la balle perdue elle fasse grand-chose, hein, mais bon. Comment ça, la vache? Quoi, la vache? Exploiter la technologie pour engranger les bénéfices tout en fermant les yeux sur ses méfaits.
regarder, c'est ça. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Dommage, on a raté la fête. Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais j'espère que vous avez raison. Regardez un peu, à une seule douille, à une seule goutte de sang. Ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'Institut. Ouais, oui, avec Preston, le buff est énorme, hein. 20% de DPS et 20% de résist. Ah ouais, donc en plus, si même, on l'a quand... Parce que du coup, Darty, il l'a, ça. Le buff de Preston. Donc effectivement, c'est violent. Vous avez peur des synthétiques ? Il y a une différence entre avoir peur et être bien préparé. Allez, on avance. Cet endroit est dans un sale état. Je relèverai les coordonnées du site pour une future mission de récupération. C'est un cul-de-sac. Essayez d'ouvrir cette porte pendant que je sécurise la zone. Impossible de pirater ça. Je sais vraiment pas pourquoi ils nous font enregistrer ces trucs. Oh merde, c'est allumé, pas vrai? Ici la technicienne Rand, de la division propulsion Dark Jet, journal de travail A1190. Ça fait environ 3 mois qu'on travaille sur le projet Mars, Janowski et moi. Et je pense qu'on a finalisé tous les calculs concernant la poussée. Qu'est-ce que j'aimerais aller là-haut avec ces gars? Ce serait vraiment génial de quitter cette planète pourrie. Hé, surveille un peu ton vocabulaire. Si on n'enregistre pas ça correctement, on va se faire virer. Déjà que le superviseur veut nous foutre dehors depuis qu'on a explosé les délais. Et alors? De toute façon, on a été enrôlés de force et on part dans quelques semaines. Des fois que tu l'aurais oublié. Ha, on va bientôt se retrouver à faire des pompes et à bouffer des rations congelées en regrettant de plus passer nos journées dans un labo privé bien douillé. Évidemment que je l'ai pas oublié. Mais j'essaie de me dire que je vais pas me faire éclater la tête quand je serai au front. Et ça m'aide de me concentrer sur le boulot. Ça te paraît peut-être con, mais pour moi c'est important, ok? D'accord, excuse-moi. Tu sais quoi? Balance cette bande, on a qu'à recommencer. Ah ben là en plus j'y suis allé en est un niveau assez pourri donc ils ont vraiment une sale gueule. Par là-bas!
Ok. C'est bon. Le complexe grouille de synthétique. Attention, tourelle droit devant. Joli. Alors... Ça y est. Voilà. Là, c'est quand même... C'est quand même mieux. Quand ça nous tire pas dessus. Paladin Dance. Ne vous arrêtez pas, on discutera plus tard. Je veux bien. C'est toi qui t'as arrêté. Et alors ? Tout bugué ? Ça y est, il est tout bugué lui aussi. Ok, 7 missiles, comme ça au pif. Comme ça au pif. Non, knife non plus. Style tour 1. Joli. Ah merde. Joli. Voilà. Nous approchons de l'objectif, le réacteur. Remelon. Ah ben, regarde ce stream, voilà, tu t'emmerderas peut-être un petit peu moins du coup. Attention où vous mettez les pieds, cette section est privée de courant.
Regardez-moi tout ça. Nos scribes s'en donneraient à cœur joie ici. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. L'émetteur devrait se trouver dans la salle de commande, au-dessus du réacteur. Mais l'ascenseur a l'air hors service. Il faut continuer à descendre et essayer de rétablir le courant dans le complexe. Il doit bien y avoir un générateur auxiliaire quelque part. Allez explorer la zone de maintenance. Je reste ici pour couvrir nos arrières. Le Junk Jet. Alors, est-ce que je veux le prendre? Ouais. 30 emplois, ouais, bon, allez, vas-y, prends. Oh merde. On y retourne. Génial. Ah ben voilà. Alimentation du réacteur rétablie. Moteur thermique alimenté, actif. Génial. Et pour la mise à feu. Oui. Ah, c'est le moment de valider. Début du compte à rebours. Mise à feu dans... 5. 4. 3. 2. 1. J'attaque la cible. Mise à feu. Expérimental terminé. Rapport d'efficacité 96,7%. Et là, c'est comment récupérer pas mal de cartouches de manière assez gratuite. Voilà. Et là, d'un coup, on a un... Oh, c'est pas vrai. Un compte de mission. Vous allez assez... bien. J'ai l'impression d'avoir été passé au barbecue, bon. Mais... J'ai été sauvé par mon armure assistée. Le plus important, c'est que nous soyons encore en vie. Et l'émetteur est à portée de main maintenant. Allons-y. Ah oui, non, merde, c'est vrai. Je me suis encore fait avoir. Okay.
nous ne sommes pas seuls. Par là, allez-y! Voilà, ça c'est fait. Là-bas, allez-y! Mission! Oublie, ils tiennent la salle de commande. Ouvre le feu! J'espère que c'était les derniers. Bon sang. L'émetteur n'est pas là. Fouille les synthétiques. Ils étaient peut-être venus chercher la même chose que nous. Excusez-moi, Paladin Dance. Restez à l'affût et faites le moins de bruit possible. C'est pas là où il y avait un... une figurine aussi. Ouais, j'en vois pas, mais il me semblait qu'il y avait Bah non, je me suis gouré, mais je sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait un... un bobblehead pas loin, mais visiblement... Paladin Dance. On peut dire qu'on a eu chaud, mais mission accomplie. Bravo. Vraiment? Je trouve que ça s'est passé à merveille. Nous sommes en vie, et nous avons l'émetteur. C'est tout ce qui compte. Pas besoin de débriefing, merci. Accepter la critique est le meilleur moyen de se surpasser, à la fois mentalement et physiquement. Quoi qu'il en soit, je me dois de saluer votre rôle dans cette opération. Sans vous, l'issue aurait pu être bien différente. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur l'emporté, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. Et donc on récupère l'autorité des justes avec les tirs critiques. Il affiche deux fois plus de dégâts et là je... et qui se remplit 15% plus vite. Un fusil? Un peu limite comme récompense. Je ne peux pas faire mieux pour le moment. Vous devriez apprendre à vous contenter de ce qu'on vous donne. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous avez toutes les qualités requises. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat, vendant vos services aux plus offrants pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Alors, qu'en dites-vous? Non. Je dois suivre ma propre route. C'est vraiment dommage. Si vous changez d'avis,
Vous savez où nous trouver. Bonne chance à vous. Tu parles avec la machine, c'est ça? Ah oui, quand même, il m'a bougé. Hein. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis, mon gars. Petit tour à Sanctuary. Ok, Grimace. Ah oui, bah moi je vais passer aussi en mode couché. Hein. Je vous spoil. Mais je pense que je ne vais pas tarder à aller faire dodo. À aller faire un gros dodo. Alors demain, sachez que demain après-midi. A priori, pas de stream. Peut-être un stream en matinée si je suis d'attaque. Mais vu l'heure à laquelle je vais me coucher, j'ai des doutes. Hein. Honnêtement, j'ai des doutes. Oh mon dieu, un petit niveau là comme ça au pif. Alors non, pas 8 heures. Non, 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 non. Et le niveau 10 à ta... Non, oui, non, pas 8... Non, non, pas 8 heures. Ah, qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau? Qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau? On va prendre le scientifique, le pirate, J'ai envie de prendre ça. Alors, attendez, maintenant je vais recycler les choses. Ouais. Voilà. Ça c'est fait. Fabriquer arme de fortune. Recycler. Le junk jet, on va le mettre de côté. Et alors lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? Sachant que le scientifique, on l'aura pas de sitôt. Qu'effectivement, les condensateurs, ça serait cool. Condensateurs améliorés, d'ailleurs. Dégâts incendiaires, capacité en munitions réduite. D'accord. Meilleure précision, meilleure capacité en munitions. Mmh.
Hey. Il nous manque de la fibre optique, mais un canon de précision, c'est-à-dire on gagne quand même. Alors ça ferait très peu de munitions par cartouche. Et plus 22, et là... Plus 9, plus 8, ça fait plus 30. Ah oui, c'est la seule matinée du mois où t'as prévu un truc. Ben en fait, bon, je suis pas sûr de pouvoir streamer parce qu'autant je vais surtout dormir, mais du coup demain en début d'après-midi, même en début milieu d'après-midi, ça je ne devrais pas être là. Oui, je le fais exprès, ben, évidemment, je le fais exprès. Est-ce que tu crois? Évidemment que je le fais exprès. Mais oui, mais voilà, ça, c'est ce qui se passera demain, c'est que normalement... Mais je suis même pas sûr, pour l'instant c'est... Pour l'instant j'en suis vraiment pas là. Prenez soin de votre arme, et elle prendra soin de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Mais évidemment, Brandeur. Évidemment. Bonjour. Ok, inventaire.
Les armes. Hop. En 6. Ça c'est fait. Restez en alerte. Ne baissez pas votre garde. Pardon ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Non, rien. Ok. Si tu es super rémunéré pour ça. Effectivement. Il faut un viseur, ouais. Oui. De quoi vous avez besoin, général ? Ça vaut toujours le coup de se battre pour la liberté. Tout n'est pas rose en ce moment, mais ça va s'arranger. Voilà. Ça le fait. Il lui faut dormir. Oui, c'est ça. Voilà la lunette courte. En fait, c'est surtout en attendant. C'est pour pas bouffer trop de ressources pour le moment. Ça sera largement suffisant en fait. Jusqu'à ce que j'ai le scientifique niveau 2, où là je pourrais faire des trucs quand même beaucoup plus sympas. Ah, et maintenant je peux faire le modèle C. Et la peinture des militaires, des miliciens, pardon. Augmente le charisme. Bah oui, allons-y. Voilà. Drogué comme il est. Ah non, non, là, quand même. Il y a un moment, ça va se voir que je fais de la merde. C'est quoi la lampe frontale Volt Boy? Je me demande ce que c'est. Ouais, de toute façon, il faut être scientifique.
Comme les meilleurs. Bonne nuit, Grimace. Bon prenage d'air demain. Oui, loupiote sur le crâne, d'accord, mais quelle est la différence entre toutes les loupiotes? Alors, il y a la couleur, mais la loupiote Volt Boy, je sais pas ce qu'elle fait précisément. C'était ça le sens de ma question. Ouais, là, il manque de l'adhésif. Loupiote verte comme le Pip-Boy? Ah, peut-être. Peut-être. Ça serait pas étonnant. Ouh là là, faut réparer ça. Qu'est-ce que vous faites? Niveau combien pour, faut arriver pour avoir toutes les perks? C'est une bonne question. Mais y a pas de limite en niveau dans le jeu? Genre, on peut vraiment monter jusqu'au niveau sans faire un truc ahurissant? Je me demandais pour le plastron, mais ouais. Même si ça utilise un câblage. D'ailleurs. Voilà, comme ça, il est tout réparé. De A à Z. Ah d'accord, pas de niveau limite, ok. Bov le bricoleur, les maisons avec étage ne demandent rien en ressources. Oui, l'antenne radio pour les faire venir, ça j'avais pigé, mais justement, je suis en train de réfléchir en fait surtout à faire. Oui, salut, quoi de soir. Ça a l'air de bien pousser. Au revoir, madame. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à Concorde. Ah, mais c'est que maintenant tu réagis que. D'accord. Quelque chose vous lie à cet endroit. Ah non, mais fous-moi votre la paix, énergie. Toi. Hey, Codsworth.
Heureux de vous revoir, madame. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à Concorde. Peut-être. On verra. Très certainement. Je ne suis pas un Mr. Gutsy, j'en suis conscient. Mais je serais honoré d'arpenter le Commonwealth. Ah, Bob le bricoleur, d'accord. Non, pas maintenant. Très bien. Mon vieux m'a appris qu'on pouvait réparer n'importe quoi avec du scotch. Mais je crois pas qu'il pensait à des impacts de balles. Ça vaut toujours le coup de se battre pour la liberté. Oui, oui, bien sûr, mon ami, bien sûr. Quelque chose vous lie à ça. Ah non, mais sérieusement, sérieusement, la vie. Va crever. Genre loin, quoi, va crever loin. Le vent au robot, c'est ça. Ou alors, attendez. Comment ça, les maisons avec étage demandent rien en ressources? Je ne comprends pas. Je vais faire une sauvegarde rapide. Je vais même faire une sauvegarde tout court. Je suis en train de me rendre compte. Attendez. Il m'a effacé les vieilles sauvegardes. Lui, pour lui, c'est toujours mamie. Ah, la cœur, quand on change le nom. Ok. C'est assez. Oui, tu prends un emplacement vide, tu en fais une maison. Tu fais une maison en bois sur plein d'étages. C'est assez ridicule, le bois demandé. Tu fermes un peu, tu as un gratte-ciel. Ok. Bon. Admettons. Enfin, admettons. Je vais recycler ça. Donc là, un peu beaucoup de d'espace. Hein, ça se voit. Mais du coup, ça fait vraiment vide. Donc, on va mettre quelque chose. Alors, structure en bois. On va essayer les préfabriquer. Oui, c'est, j'imagine c'est par les préfabriqués qu'on le fait, non? C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas du tout comme ça en fait. C'est un bout de couloir. Ah, pas les préfabriqués, tu fais les murs et les plafonds. Parce que moi, la dernière fois que j'avais fait murs et plafonds, c'était pourri. Hein. C'est ce que j'avais fait avec, avec Darty Brosse à chiottes. Et c'était juste à chier. De toute façon, j'ai sauvegardé, donc il peut pas arriver grand chose non plus. Est-ce
Parce que ça plaçait les trucs bizarrement, voilà, genre comme ça, alors qu'en fait c'est de la merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les escaliers. C'est vrai. Genre, on va poser ça là. Mais alors là, il me faudrait plutôt le sol. Et là, normalement, je devrais pouvoir mettre un mur. Ouais, j'avoue qu'il y a certaines maisons existantes, elles seraient bien si on les, si on pouvait les virer, quoi. Ok. Ah, voilà, parfait. Ça tombe bien parce que c'est ça que je veux. Ah non, là, il faudrait peut-être plutôt que je mette un truc comme ça. Je crois que je suis en train d'arriver à faire un truc. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça va ressembler à quelque chose. Ah oui, d'ailleurs, les escaliers, comment on va s'y prendre?
Oui, d'accord, ça s'adapte à ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non mais attendez, c'est la merde ça. Ok. Je comprends pas. Je comprends pas. Escalier de cabane. Parce que là, du coup, ça peut pas s'adapter sur un truc aussi petit. Je comprends pas. Il y a dans le sol, dans les sols, il y a des petits trucs. Étage supérieur de cabane. Ah, sol petit. D'accord. Donc avec ça, on peut adapter. On peut adapter pour par rapport au OK. Je vois. Donc alors attendez. Oh là là, le placement room. Je crois que je commence à comprendre. Et donc ensuite on a étage supérieur. Ah mais merde, j'avais pas vu. Escalier quand même, putain mais quel con. Mais quel golio. Je me fais chier à faire ça alors qu'en fait il y a un truc tout près. Putain mais bravo, bravo Mongol quoi. Juste bravo Mongol.
Merde. Et oui, et là ça passe pas par contre. Et là par contre ça ne passe pas. Il veut pas. Allez. Bah, pourquoi il me fait de la merde? Bah pourquoi mec? Bah pourquoi tu me fais ça, mec? Thank you.
Par contre, pour faire des murs à l'intérieur, ça doit être plus dur, j'imagine. Tel que je le vois là. Voilà. T'as voulu finalement. Et donc, mettons maintenant des toits. Manque plus que des murs ici, accessoirement. Voilà. Abri de fortune, mais abri qui tient debout. Si on a besoin d'accueillir plus de monde, c'est parfait. Attendez, maintenant, des portes. Comment ça, c'est ça? Ah, voilà, merci. Hop. Bâton à pointe, ok.
Je me demande comment on peut utiliser ce petit escalier. Est-ce que genre on peut faire un escalier off, puis un autre à côté, puis un autre à côté, etc. etc. Ah d'accord, sur la rambarde on peut mettre on peut accrocher l'escalier à côté, d'accord. Ah, ça on peut peut-être le mettre sur le bord pour faire un balcon, par exemple. Il y a peut-être moyen de faire un balcon. Ouais, je me demande quand même comment on fait pour faire ça bien. Alors attendez, c'est où j'avais vu ? C'était pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave.
Ah, Mizu qui s'excite. Mizu qui s'excite. Vous pouvez l'entendre. Oh merde. V'là que je tombe. Bon, c'est un peu rustique, mais ça fait quand même 5 lits de plus, et il y a moyen d'en mettre encore beaucoup plus. Donc je pense que dans les parties suivantes, eh bien, on fera en sorte d'accueillir plus de monde dans cette charmante ville de Sanctuary Hills, évidemment. Non mais c'est bien, j'ai avancé, j'ai compris des trucs, et ça c'est cool. Carla, il vous faut quelque chose? La route est longue. À... D'accord. Toujours vas-y. Un plaisir de... Vas-y, fais voir. Dans les... munitions. Oh non, c'est bon. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin actuellement de le faire. C'est pas super utile. Allez, hop, petite sauvegarde. Retour au bureau et je vais vous dire et vous souhaiter une bonne nuit à tous, tous ceux qui sont encore là, qui suivent encore, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc probablement à demain en fin d'après-midi, si c'est pas demain soir, parce que je pense que demain matin ça va être un peu compliqué, mais sait-on jamais. Des bisous les gens, bonne nuit à tous, à plus.